Madame, monsieur, bonjour, nous sommes le 18 avril 1900. Les automobiles Crouan, dont la 20 chevaux avait étonné, viennent de sortir leurs premières 8 chevaux. Pour sa première sortie, monsieur Crouan l'a menée d'emblée à Berlin. Il l'a réglée au départ de Paris. Et à travers les côtes, les mauvais chemins, par un temps affreux, la voiture, chargée de 3 personnes et de 100 kilos de bagages, a conservé une moyenne soutenue de 38 km par heure. Il semble résulter de la lecture attentive des journaux étrangers, espagnols, italiens et anglais notamment, que de graves événements ne vont pas tarder à se produire au Maroc. On a donc le droit de se montrer surpris de l'ignorance dans laquelle on laisse le public français quant au pot de rhum de ces événements, lorsque nos voisins sont si bien renseignés. Le départ assez précipité de notre représentant à Tanger est passé lui-même inaperçu, en France bien entendu, car il a été relevé avec insistance par la presse étrangère. Mais il est juste d'ajouter que l'exposition sollicite toute notre attention et qu'on ne peut avoir les yeux tournés du côté de l'Afrique quand on fait des essais d'éclairage au Champ de Mars. Le Maroc voit d'un assez mauvais œil nos actions dans le Tidikelt et le Touat, et le gouvernement d'Alger s'apprête à envoyer un escadron du 6e chasseur d'Afrique en renfort du corps d'occupation d'Insala. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.